Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity training awareness. Today we will continue talking about attack vectors, and the attack vector today is what we call XSX, cross-site scripting. Basically, cross-site scripting is a kind of attack vector where the attacker injects a script, an executable script, within the system. It might be the website, it might be a set of program, and when he inject this script, he inject it to collect those data for those people connecting to the system, to the website. They want to collect information. They collect those information and use those information later on to put your situation in jeopardy. So what's happening in this schema? You're going to see a scenario of attack vector. You have someone sending a request to the website, and then through the website, when you browse a session or a website, you have cookies. Cookies are basically those little information stored in the website. And after your session, your browsing session, those information can be collected and used after you. Especially if you use a public machine, you know, a machine in the public is not maybe a private. Even if you use your private computer, sometime after you, if someone use that machine and want to attack you, that person can use those cookies. And in this schema, we see the perpetrator, and through the website, you, the user, you send a request to the website, use those information. When you return, the perpetrator collect those cookies, and those cookies can be used. And normally, the cross-site scripting, those important information are collected, and they launch the attack to the script. The script are little codes, you know, they write little codes to attack you and collect the information. So we need to be really careful when you browse our website or any internet or any input validation process. When you put information, when you have to use a major application where you input information, it's important always to know how those information are going through the system. It's really important to watch out and see after a session, a browsing session, to see if you need to clear the browser or the cookies. Remove the cookies so no one can see exactly what you did through this session. It's important to watch all these things, not to get in the trap of these criminals. And we was talking about this because it's almost everywhere. Every session you have attackers. And this time with cybersecurity, things are happening. So be really, really careful for that. Thank you very much for following this session. Stay tuned for the French version. Merci de vous connecter encore à cette session de cybersécurité. Aujourd'hui, nous avons encore parler d'un vecteur d'attaque en cybersécurité. Et aujourd'hui, il est question de parler de ce que nous appelons cross-site scripting. Cross-site scripting, en fait, c'est des petits scripts que les criminels écrivent ou
injecte dans les dans certains websites qui ne sont pas très protégés. Et lorsque vous visitez ces websites, vous avez donc des sessions de cookies, les cookies étant les résidus d'informations que vous laissez après avoir visité certains sites. Donc, on collecte ces informations-là et lorsqu'on les a collectées, on essaie de les utiliser après vous. Donc, il est question ici de faire très attention lorsque vous visitez certains sites. Alors, après avoir visité les sites, les websites où des criminels ont envoyé des attaques, ont perpétré des attaques, il est important d'effacer votre session de travail. Il y a une façon spéciale de le faire, toujours en utilisant les browsers. C'est-à-dire, ça peut être Internet Explorer, ça peut être Google et tout ça. Donc, il y a une façon de les effacer. Et la personne qui vient après vous ne saura jamais que vous étiez là. Mais si vous ne les effacez pas, parfois ça reste dans les machines. On peut les utiliser pour perpétuer des attaques. Donc, alors quand vous voyez sur ce schéma, vous allez voir, c'est lui qui perpétue une attaque qui, à travers le website. Et après, quelqu'un visite ce website. Et ces informations sont collectées et transférées chez les criminels, ceux qui attaquent. Et quand c'est transféré, il est en ce moment difficile de se protéger parce que parfois vos informations partent et vous n'êtes même pas au courant. Donc il est question ici de faire très attention à tous les sites qu'on visite. Alors c'est de ça qu'il était question aujourd'hui et restez très connectés en cybersécurité. Merci.